Hey tout le monde, c'est Minouki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit relooking des PNJ. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, plus précisément une semaine pour ceux qui sont vraiment attentifs au moment des sorties des vidéos. Mais donc si vous avez pu, vous avez pu suivre parce que j'en ai parlé, sur Instagram mais aussi dans l'onglet communauté de la chaîne. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, bah ça, vous pouvez le voir comment mon identifiant dans la description. Mais en tout cas, on va dire que mon ordinateur a très clairement décidé de crash. Voilà, on va dire qu'il ne fonctionnait plus, je pouvais plus l'allumer, c'était vraiment une galère. Du coup, j'ai beaucoup parlé avec les services Apple, puisque j'ai un Mac et non pas c'est performant, hein, mais pas trop pour les jeux vidéo, c'est pas exactement ça qu'il faut. Donc bref, on n'en est pas là. Le fait est que pendant 6 jours, du coup, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour que tout refonctionne bien. Malheureusement, ça n'a pas été forcément le cas tout le temps. Et là, hier, comme de par magie, ça a refonctionné. Donc tant mieux. On va donc en profiter et reprendre les vidéos comme avant. Enfin, j'espère que ça ne réarrivera pas quand même, parce que sinon c'est un petit peu embêtant. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous proposer un petit relooking de PNJ de Vanessa Jung. Voilà, j'avoue que c'est un personnage que j'aime trop, surtout qu'il vient avec Heure de Gloire. Et vu que c'est un PNJ avec lequel j'aimerais jouer plus tard et qu'on, qu'on voyait un peu, qu'on la fasse augmenter et tout, et qu'il apparaîtra peut-être dans la saison 2 du Let's Play Un Nouveau Départ, on ne sait pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce Let's Play, je vous mets dans le petit i qui affiche en haut à droite de votre écran. C'est donc un Let's Play qui se passe à Sanmaishuno en particulier, voilà, parce qu'on va suivre la vie d'une jeune fille, jeune adulte, voilà, qui veut donc devenir une actrice et donc qui a clairement fugué de chez elle. Et j'avoue qu'il s'est passé pas mal de choses dans sa vie. Enfin bref, retournons à Vanessa Jung qui est clairement trop belle, voilà. J'avoue que les cheveux courts, ça lui va très très bien. Par contre, j'ai toujours voulu lui garder donc cette couleur bleue parce que c'est vraiment quelque chose qui la caractérise. Et puis en fait, je trouve qu'elle ressemble plus à mes personnages comme ça. Et en même temps, elle a gardé son petit style de couleur, c'est-à-dire un haut jaune par exemple pour la tenue quotidienne. Parce que, je sais pas, genre moi, le bleu, jaune, c'est vraiment ses couleurs à elle. C'est pour ça que j'ai essayé de les mettre à peu près partout, mais bon, ça n'a pas été évident. J'ai voulu lui faire un style un petit peu, en même temps jeune, c'est en même temps un peu américain, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que moi-même j'arrive pas à visualiser ce que je veux dire, mais en tout cas voilà, j'avoue que ces tenues elles sont plutôt pas mal. Enfin bref, je vais pas parler plus d'elle. Je vous annonce donc qu'il va y avoir un nouveau let's play d'ici peu sur la chaîne et donc du coup bien sûr une nouvelle introduction. Enfin je sais pas s'il y aura une introduction ou seulement genre pas une bande annonce, mais je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez le truc qui apparaît seulement au début de vidéo avec un peu qui résume toute la saison et tout, et après voilà, il y a l'épisode, enfin je verrai comment je l'organise, mais en tout cas j'avoue que c'est une petite pépite. Il sera donc basé sur le pack à la fac que je viens tout juste d'avoir, mais j'ai également tout juste, je viens tout juste aussi d'avoir le pack écologie, donc voilà, je suis trop contente parce que ça veut dire que j'ai quand même 3 packs, non, on va dire que j'ai quasiment tous les packs d'extension sur le vie à la campagne que je n'ai pas, mais sinon je les ai tous, donc c'est vraiment trop cool, même si j'aurais préféré avoir vie à la campagne plutôt qu'au travail, mais bon, on peut pas revenir dans le passé sachant que au travail était le premier pack d'extension que j'avais acheté. Enfin bref, voilà, j'espère que ce petit relooking de PNJ vous aura plu. Si vous voulez en voir plus, je vous mets une playlist tout de suite qui s'affiche en haut à droite de votre écran. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que ça fait toujours super plaisir, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!